Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Tortius, on se retrouve pour ce dernier épisode avec les Grecs. Donc précédemment on s'est pris nous deux dérouillés, on s'est battu comme on pouvait. On a même eu un bug où des armées sont mises à spawner, mais bon. Comme je disais donc, ça va être le dernier épisode parce que je suis obligé de rec... Je... Enfin... Bon. Je suis obligé de reconnaître que l'IA m'a battu parce qu'il n'y a aucun moyen de gagner. En fait, l'IA perse est surcheatée. Ça, je l'avais déjà expliqué précédemment. Mais il n'y a aucun moyen de gagner. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà réussi cette campagne. Mais si seulement les Perses avaient moins d'unités cheatées, c'était juste les mecs en pyjama. Vous savez, la bataille serait... On s'en serait sorti. Mais là, c'est pas le cas. Ils te mettent des unités... Une bataille n'est jamais chose facile à affronter. Ah bah tu m'étonnes avec tout ce qu'ils ramènent. Ils vont nous massacrer, ouais. Ce qu'on va faire, on va tous se rassembler sur la place et on va les attendre. Excusez-moi, je suis juste en train de lire un bouquin en même temps, du coup c'est pas évident. Vous connaissez, j'aime bien lire un bouquin en tournant. Ça va s'ils arrivent que de ce côté-là, mais comme on les connaît, ils vont pas arriver que de ce côté-là, voyons. Si on gagne, je pense que ce sera... Ouais. Alors, je pense faire deux batailles dans cet épisode, et ensuite ce sera la fin de la série. Et vous verrez ce que j'ai prévu comme, entre guillemets, fin pour la série. On va attendre l'ennemi qui va venir de ce côté-là. Et on va attendre l'ennemi qui arrive de ce côté. Bon, je suis vraiment avec les débris de secours. Je suis vraiment avec les débris. Est-ce qu'on a... Les peltasts, on va les laisser de ce côté-là au cas où si l'ennemi se ramène. Général, on va le laisser. Ah non. On va le laisser de ce côté-là. Et les archers, on va le laisser de ce côté. Bon, en vrai, je suis sûr et certain, ils vont me contourner d'une manière bien. Mais. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, on va ordonner à nos frondeurs de se placer juste là. Et les autres frondeurs. Oula. Je dois mal gérer la souris aujourd'hui. Alors, on les voit tous à attaquer. Alors, qu'avons-nous là? Ouais, ils vont contourner, ça c'est clair et net. Quoique les tours peuvent faire des dégâts. Alors, nous avons des Nubiens. Vous êtes loin de chez vous, les gars. Des hommes pyjama. Hommes pyjama médiens. Ninja lanceur de javelot. Encore des médiens, je suppose. Des Égyptiens, par contre, ouais. Et bien évidemment, deux immortels pour être bien sûr de perdre la bataille. C'est bien, les tours se mettent à tirer, ça va déjà faire quelques pertes. Ça va pas changer grand chose en vrai, mais bon. Ah, pas de tuer pour le moment? Non. Je crois que les tours doivent être buggées, parce que de mémoire sur Rome, une tour... les tours, ça te fait pas... ça te laisse pas l'ennemi en vie très longtemps. Voilà, comme ceci. Ah bah voilà, on en tue quelques-uns. Les dieux nous jouent des tours. L'ennemi a pratiqué une brèche dans nos murs. Ah oui, d'accord, vous allez carrément sur le côté. Ah mais... Vous êtes bien des bâtards, quoi. Ils vont bien essayer de me contourner, finalement. C'est marrant ça. On fait des trous partout dans la muraille. Je fais des petits trous, toujours des petits trous. Les murs ont cédé sous la force de l'assaut. À nos soldats d'être plus solides que le roc. On va se ramener du côté de nos soldats. Faites-tu les gars me faire des trous dans ma muraille? Bon, en vrai même si... Même si vous gagnez, je m'en fiche un peu parce que vous aurez tué tout le monde, mais bon... Peu de respect pour mes soldats qui se battent quoi, sérieux. Repliez-vous sur la défense intérieure. Les murs sont aux mains de l'ennemi. Les dieux nous abandonnent. Mais chef, on est en train de se faire repercer. Je suis au courant, mais merci quand même. On va laisser des renforts de ce côté-là. En plus, c'est de la milice. Aïe, aïe. De ce côté-là, on les attend de pied ferme. Oui, bon, ça va. L'ennemi a pratiqué une brèche. Vous prenez pour qui, là? Je vous interdis de faire des trous dans ma muraille. Non, mais...
On va dans le doute. On va attendre un peu avant de leur ordonner de tirer. J'entre dans ta ville, dans ta petite ville. Ah bah c'est bon, ils vont arriver. Oh, j'ai oublié de désactiver les fondeurs. Bon bah tant pis. De toute façon, au point où on en est. Oh là, mais ils m'ont ramené vraiment tout d'un coup là. Ah oui, on me contournait. Après, on a peut-être. On a vraiment un micro pourcentage de chance, mais en vrai, on a aucune chance. Vous savez tout comme moi. C'est bon, on commence à tirer. Feu! Mais bon, si vous tirez à cet endroit-là, vous n'avez pas tué grand monde, mais bon. Je vous préviens quand même. Ah! Les. Asabari qui m'attaquent. Bon, enfin, qui nous attaquent, qui vont se faire massacrer gentiment, quoi. C'est. Ils attaquent pas encore, on n'abuse pas, les gars. Et bien évidemment, ils sont immortels aux cailloux aussi. Impressionnant. D'accord, je pensais pas que ces hommes étaient aussi invincibles. Mais... Bon, très bien, l'ennemi est invincible aux cailloux. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et d'accord, nos hommes se font tuer tout de suite dès le début. Bon. C'est bien, là, on va tuer quelques-uns de ce côté-là. Ah, de ce côté-là, ils sont pas très... Ah, si, si, finalement. Ah ouais, bon, ça va aller, ça va peut-être aller de ce côté-là, finalement. Bon, ils vont pas me contourner par là. Eh, ça fait des dégâts, là, quand même. Oula, mourir plutôt. Ouais, bon, l'avantage de l'IA, c'est que quand elle décide de t'attaquer connement, elle le fait bien. J'espère qu'ils n'avaient pas de cavalerie, parce que là, ils me traversent mes lignes comme du fromage. J'ai même des doutes sur ce que je viens de dire. Oui. Ah, mais de bon, de ce côté-là, ils arrivent. Ah, si, si, ils arrivent. Attendez. Alors, les pertes sont en notre faveur ou non? 4%. Aïe. Ça fait un peu mal, en effet. On vous prépare. Ok, mauvais bouton. Ils sont vraiment en train de prendre le temps de me contourner au passage. Attention. Ah bon sang. Non, l'ennemi il est là. Voilà, parfait. Oh bah génial. À l'attaque. C'est bien, là on va en massacrer quelques-uns. Voilà, on fait un petit carnage, ça va bien aller. Et on tue les Nubiens. Parfait, déjà en déroute. C'est excellent pour le... C'est excellent parce qu'on en pète un... Ah parce qu'en plus ils se battent à mort. D'accord, donc les mecs, non seulement se battent mieux que... Enfin, se battent mieux que moi. Ouais, pour le moment. Mais en plus, ils sont plus immortels que moi. Bon. Je me demande pourquoi ils fuient pas. Bon, de toute façon, ils se font bien massacrer. Et c'est pas la machin qui se font tuer. Parfait, parfait. Et on fait un beau carnage. Est-ce que le score montre en notre faveur? On est à 4-19. Et allez. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font là, les gars? Bon, là, de ce côté-là, on va arrêter le tir. Ils sont tous morts. Il y a des troupes qui arrivent après de ce côté-là? Non, il n'y en a pas qui arrivent. Ouais, par contre, là, ils ramènent de la troupe. Pas bon du tout. Ouais, des skirmishers en plus. Ouais, ça va, on fait un petit carnage quand même. On tient bien. Les gars, vous avez pas galéré contre tout ce bazar là, quoi. Si, si, ils se font bien massacrer par des mecs. Allez, ça, vous venez buter. Ça va, on fait quand même de très bonnes pertes. Ça, on va pas se leurrer. Ils sont tous morts. Je vous laisse faire le ménage de ce côté-là.
Ça là, les troupes tiennent. Oh, oui, parfait, ça tient bien. De ce côté-là, l'ennemi se menace de rappliquer. C'est quoi qu'elle rapplique? Oh, bah ça va, c'est... Clampin qu'on va surtout massacrer en tout temps. Non, ça va, en fait, on... Eh, la barre, c'est bon, la barre, elle remonte. Mais, d'accord. Quelle bande de salauds, ils se mettent pile à cet endroit-là pour me casser les pieds. Bon, on va laisser les 16 là en défense pour le moment. Oh, ça a bugué. Ou non, ou la mauvaise idée, Quelle idée de merde. Et les unités en déroute? Ah non, on les a butées. Très bien. Bon, on va ramener les deux unités ici pour tenir la ligne. Et là, ça va plus tenir très longtemps. Ah mince, il nous envoie les hoplites. Très bien. Ah non. Voilà. Ça va si on les massacre. Bon, on va ramener notre général. Non, les gars, vous. Qu'est-ce qui vous prend, vous? Mitraillez ici. Ah. Et vous allez vous mettre juste là pour avoir une meilleure zone de tir. Attends, c'est pas les immortels qui arrivent au fond? Oh shit. Les immortels sont là, je crois que nous pouvons tous le dire. Ils n'arrivent pas de ce côté-là, parfait. Et 16 là, ça va tenir le chou. Alors là, les gars, vous avez feu vert pour tirer dans le tas, hein, y'a. Oh mince, on est une terre des routes. Bon, ça va, ça tient le choc. Est-ce que les immortels sont à portée? Parfait. Alors, elles sont pas encore à portée. Oh oui, ça va être le déluge de flèches. Tous les cadavres qu'il y a là. Ah, ça c'est beau. Tirez-moi sur les immortels. C'est bon, leurs troupes tombent en déroute. Mais, d'accord, les mecs, ils ont rien trouvé de plus génial que de se mettre pile à cet endroit-là pour me casser les pieds. Bon. On fait venir eux, là. Par contre, là, on perd des hommes. Ah oui, là, c'est là. Bon, là, vous, aidez les survivants. Parce que là, on va mal s'en sortir. Si on bute leur général, ça pourrait être pas. Mauvais bouton. Oh, mais ils sont très sympas, les soldats ennemis, là. Ouh, non, pas les hoplites. Pas les hoplites, ça fait bobo, ça. Oh, bon, ça va, on tire, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces... Oh, là, là. Pas les buter. Non. Vous ne bougez pas. Vous. Je suis ceux-là. Ah, ça c'est chiant, les unités qui... Oh non, j'ai cru que ça allait être des unités ennemies, mais non, c'est les miens qui tombent. Ouh. Ah d'accord. Non, seules les flèches ne fonctionnent pas sur eux, très bien. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces crétins? Non, l'ennemi a tué, il est là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils passent les lignes maintenant. Non, monsieur, vous ne passez pas nos lignes. Quoi. Pas des renforts qui sont arrivés. Non. Oh, ouais, bon, c'est bon, là, c'est fini. Ça va, eux, on leur fait quand même bien là. Oh. Ah non, c'est la fin, ils sont passés, non! Ils passent! Mais ils font quoi, eux? Bon. Bon, tirez dans le tas là, vous n'avez pas trop le choix, les gars! Alors, on va essayer de survivre ici. Notre général qui est en mêlée avec eux. Par contre. Plus de munitions. Foncez dans le tas, tant pis.
Purée, on a déjà plus de munitions. Oh, le carnage. Oh oui, ça c'est beau par contre. Vous, les archers, vous allez tirer dans le... Hé, hey, peloton d'exécution sur les perses, tant pis. C'est visé eux là. Oh, j'ai une unité qui a plus que deux soldats. Bon, très bien, ils sont tous massacrés. Faut pas comment ils galèrent là en fait. Les gars, il n'y a aucune difficulté pour du descendre des dégâts là, vous en êtes bien d'accord. Eh, hey, les immortels qui se font démonter, oui, c'est ça qu'on veut voir. Mes derniers soldats qui font une charge suicide. Ils vont vraiment suicidaire comme charge, on note. Et on va les stopper. Mes archers qui font du bon boulot. Magnifique. Et ces soldats-là. Voilà, on perd vraiment. Tous nos soldats tombent. C'est la fin. Ouais. On est déjà à 16 minutes de vidéo. Ouais. Quelques soldats qui font un carnage. Et mon général qui... Oh, ça va, le général, ça tient. Eux là, ça va aussi. Ça va, on n'est pas trop dans la mouise. Sur quoi je vais pouvoir tirer? Parce que là, on n'a plus trop de portes pour tirer, on va dire. 17. Allez, le général ennemi qui est en train de tomber. Je pense pas que tuer le général va... Ah ben, surtout s'ils font ça. Oh là là. Génial, le truc que j'ai pas vu venir. Ouais, c'est les Africains, bon, ça va, c'est pas les troupes d'élite. Allez mon général, 16. Peut le faire. Ça va, s'ils se contentent de me regarder comme des abrutis, on va gagner la bataille rapidement. On va en emporter dans la tombe. Vous ne survivrez pas, étranger. Ouh, ouh, c'est magnifique. Bon, je pense que pour la série, étant donné que j'aurai fini cette série-là, je pense la remplacer par... Bon, déjà, si j'ai plus de soldats pour se battre, ça va être complexe. Je pense la remplacer avec la Prusse, parce que la Prusse, ça fait longtemps que j'ai pas avancé. Il faudrait peut-être que je pense avancer le truc. Oh mon dieu, le général, mon général qui se bat. Tout seul. Purée, en plus, il est juste là, le général ennemi. Il a un coup d'épée, c'est fini. Enfin, bon, je pense que mes hommes se font buter. Grossièrement. Allez, les gars, la charge des soldats. Et c'est la charge! Ouh, oui, c'est la charge qui va pas totalement retourner la game, mais qui va quand même déjà faire un peu bobo. Ces archers-là sont efficaces aussi à ce qu'ils se battent, en plus. Oh, le lâche, il vient même pas se battre. 9 immortels, quand même. Et eux, là, ils tiennent. Ils tiennent les petits soldats. Hein. Bon, bah là, on a perdu. On a quand même tué 74% de leur armée. Eh, c'est ça, c'est pas de la défense héroïque à la Thermopyle. D'accord, leurs troupes tombent en déroute. Parfait, magnifique. Oh là, mais ils m'ont défoncé mes hommes d'un coup. Ouais. J'ai encore des hommes qui tirent. Ah ouais, là, ils m'ont mis les autres immortels. Bon, là, c'est pas étonnant. On va lui racler. Ah, mais le lâche, quoi. Le mec, il aurait pu venir mourir, se battre. Ah non, ah non, j'ai cru qu'il revenait, mais non, c'est... Mes hommes qui s'XP, ça va pas se resservir à grand chose là, les gars, c'est mort, c'est foutu. Ça va là, les 50, ils sont plus que 51 de ce côté là. Toi, tu vas me tirer dans le dos de ceux-là. Ouh, parfait. Bon, les petites charges dans le dos pour régler le truc. Allez, si... est-ce que la charge va les faire fuir? Je pense qu'il y a moyen quand même. J'ai rien dit en fait. Allez, le général, notre général. Mince, j'arrive pas à zoomer. Quelle idée de merde de mettre mis sous un arbre. Un beau saule, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, ce genre d'arbre. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire là, mais bon. Comme arbre.
Bon là vous, c'est pas la peine, faut vous battre à mort là. Sérieux les gars, ils avaient un truc à faire, c'était faire une charge dans le dos, ils ont réussi à l'échouer. Pas mal quand même hein. Oh par contre si le général tombe en déroute, enfin si mon général se fait buter, c'est la fin. Si mon général ne fait rien face à l'ennemi. Ouh parfait. 80 pour... Eh hey, 80-80. Enfin 80-79. Oui bon ok, j'abuse un peu mais... On est au même niveau de perte. On a plus qu'un archer mais il est mort. Là on a nos... Purée, eux, ils auraient pu tellement retourner la game. Vous vous rendez compte que si ces abrutis savaient mieux charger, ils auraient tout retourné. Mais non, ils savaient pas charger bien sûr. Général, ils sont plus que 5. Et il est où leur général? Montre-toi, mais ce lâche qui est au fond. Et allez, pour achever le truc, ils vont me balancer les javelots à la figure. C'est pas une bonne idée de faire ça quand mes hommes me tirent dessus, en fait. Par contre, mon général a resté dans le coin comme un abruti, il va clairement se faire buter, lui aussi. En tout cas, le... Ouais, si j'avais voulu continuer la série, j'aurais été bien, parce que pour reprendre la ville... Ouais, mais après, c'était une armée qui m'a coûté cher à construire. Bon, j'ai l'air de se buter, là, c'est clair. Il s'acharne sur lui. Bande de chiens. Allez, c'est la fin de mes soldats, là. Pendant ce temps-là, on a les... Des Beltastes qui se débrouillent très bien, quand même. J'aurais jamais cru qu'ils tiendraient aussi longtemps. Avec leurs petits couteaux, là. Leurs petites dagues. On appelle sanglier. Enfin, je crois qu'il y en a. Je crois que c'est plus qu'on appelle sanglier, de mémoire. C'est bon, le général, il reste autour de ses hommes. Il a même tué un gars, c'est parfait. Allez, les immortels. En même temps, si tu balances ta lance dans les jambes, tu vas pas tuer grand monde, hein. Il y a juste de ça. Merde, ils sont tombés en déroute. Bon, là, c'est la fin. En tout cas, je veux vraiment voir les résultats à la fin, parce que c'est bon. Bon, on va accélérer, hélas. Il reste plus qu'un soldat. Bon, il va se faire dégommer. Oh bah oui! Allez, 50 contre 1! Manqué. Tu feras mieux la prochaine fois. Dans une autre vie. Et le général tient toujours quand même. 83. Bon, c'est pas ça qui va nous faire gagner. Si jamais ils disent 80%, vous avez vu la masse de troupes qui a encore. On gagne plus du tout. Oh, ils me prennent la ville. Oh, les salauds. Ils arrivent pas à tenir la place. Voilà, ils me virent. Je me fais virer, incroyable. Alors, pendant ce temps-là, on va voir ce qui reste du champ de bataille. Donc, voilà. Il va faire un beau carnage ici. Seulement, leur gars est tombé des routes au lieu de... Ouh, il a loupé. Ils ont loupé le massacre. Par contre, là, le carnage... Votre général a payé de sa vie. Ouais, ils vont se battre à mort, c'est des Spartiates. Ces hommes risquent de perdre courage. Bon, ben, adieu... Daedalos le saint, enfin, The Holy, oui, le sacré, le saint, je crois que c'est ça. Mais bon, il y a beaucoup de corps à moi aussi, mais on leur a fait un beau carnage de ce côté-là. Oh, le visage, il est tout blanc sur mon icône, on dirait que c'est bugué. Par contre, le carnage qu'on a fait, est général, 4 hommes, voilà. Oh, les arbres, vous me cassez les pieds, je peux même pas voir comment ça se... Ça, je pense, quand tu dois tourner des machinima sur Rome, enfin, je pense que ça se fait plus maintenant, ça devait être méga dur à faire. Bon, on va perdre sur le timer alors qu'on tenait à 15 soldats. Alors, est-ce que ça continue de monter? Oh mince. 4, 5. Défaite semble certaine. Ah bon, ils se font tous tuer. Pour certains. Eh, 456 soldats sur un effectif de 1600. Vaincu de justesse, bah tu m'étonnes. Là, là ça s'est vraiment pas joué à grand chose quand même. Je veux quand même voir tout ce qu'ont fait mes hommes. Ouais, bon, c'est moins impressionnant que sur autre. Les Peltas 61, mon général qui a fait 25, c'est la honte. Hoplitz 60 et tout. Les fondeurs, ils ont pas fait beaucoup de kills. Mais bon, là ils étaient pas bons. Mon général gagne 2 trucs, mais il est mort. Il est mort. Il est mort. On arrête tout. Il est mort. Tant pis pour lui. Bon, bah. Bataille héroïque, mais malheureusement qui n'était pas suffisante contre les Perses. En vrai, je peux tellement reprendre la ville dans le dos en mode salopard. Mais bon, sinon, ça va faire encore un épisode de plus. Mais bon, après... Voilà, ils ont pris la ville. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils ont pris la ville. J'ai pris la ville, vous avez vu !
D'accord, il m'attaque pas. On va faire le gros troll. Je crois que l'armée, en fait, elle est... What? D'accord, l'armée a disparu. Oh, ils sont sérieux? Non. Ils ont juste occupé. Ouais, bon, en même temps, tu me diras avec toutes les pertes qu'on a fait, quand même. Il reste quoi dans leur ville? Oh, ils sont en révolte. Chez, chez, les Grecs se soulèvent. Puis la Neria s'est assiégée. Ouais, je crois qu'il y a un bug, c'est ça, les armées ont disparu. Ah non, celle-ci est restée. Parfait. Bon, je pense pour ultime bataille, soit on fait une bataille dans les montagnes là, mais bon, on va se faire défoncer. Ouais, on va pas... Ouais, ça va être très limite cette bataille là. Ouais, ça pourrait être épique comme bataille. Attendez, je sauvegarde juste pour voir ce que ça pourrait donner. Faut trouver une bonne dernière bataille bien stylée pour cette série. Ensuite, je vais pas vous mentir, une fois que j'aurai tourné cet épisode, je vais désinstaller ce mode. Ce mode qui m'empêche de jouer Alexander. Ah, d'accord, donc là... Ouais, non, là, c'est même pas la peine, on va pas se faire se les affronter. On va se regarder en chaîne faïence, moi, ça me dérange pas. Bon. Pour cette dernière bataille, on va envoyer le général The Wardful. Et on va leur mettre la misère. Le nuque. Est-ce qu'on les laisse commander? Non, je vais pas vous laisser commander. Le général, le nuque. Ah, vous êtes deux. Enfin, je présume, est-ce que vous avez des cheveux, donc. Si un eunuque est chauve, bon, c'est un peu une théorie foireuse, mais si un eunuque est chauve, ça veut peut-être dire quelque chose. Je sais pas. Bon, ben... On retrouve tout de suite sur le champ de bataille. Unité. Étant donné que ça va être la dernière bataille, on va attendre... Je pense qu'on va charger. Ah bah, ils sont en retard, en plus. Bande de salopards. Bon, là je vous vois, les gars. Les gars, je viens de vous voir vous cacher, donc je sais que vous êtes là. Et vous allez ici. Cette magnifique charge. Et allez! Boum! Bonjour, c'est nous. Ah mon dieu, ils viennent de se retirer de la forêt. Allez, on va voir si vous êtes courageux cette fois. Mais les gars, méga qui les poursuivent. Attention, ils sont juste derrière. Attendez, on va mettre pause pour gérer un peu tout ce merde. Bon, alors... Voilà, ça va être une bataille à la marathon, c'est on fonce dans le tas. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Regardez, la barre est en ma faveur. La barre, elle n'a jamais été aussi bleue. Bon, en vrai, elle est rouge, mais un peu de rouge. 7%, vous rendez compte? Ah bah, il se replie, bah parfait. Alors, cette fois, c'est qui fait les lâches? Attendez, vous là. Vos renforts sont arrivés. Oh, nice! Oh, magnifique! Oh non! Oh non! Oh non! Oh la poisse! On aurait pu flinguer les fuyards. Ah, tiens, mon général qui arrive et qui flingue les soldats là. Parfait. Et hop, une charge dans le dos. Voilà. Enfin une bataille qui va se finir dans un match. Purée, j'aurais dû faire fuir mes hommes. Oh non, mais là, s'ils étaient arrivés... Oh non. J'ai tellement envie de recommencer la bataille parce que là, c'est tellement ignoble. Mes hommes qui ne veulent même pas... Oh. Général qui fait un carton, parfait. Je vais me buter lui, hein. Attends, attends, le nuque, je vais pas te laisser en vie. Oh, la pluie de cailloux qui se prennent. Alors là, nous avons un sandwich à la grecque, aussi appelé kebab. Quoi, cette blague ne marchait pas? Oh, allez.
Pendant ce temps, on a leurs soldats qui fuient. Je voudrais bien que j'ai une unité qui disparaisse maintenant, comme ça leurs hommes... Oh oui, ils sont bloqués! Loués soient les dieux. Oh, magnifique. Le général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ses soldats. Je comprends pas trop ce qui se passe. Oh, on a tué le nuque, c'est parfait! Une fin de bataille aussi épique. Par contre, vous avez commencé là, hein. Y a pas de raison pour les épargner. Et on va aller buter l'autre, hein. Allez, deux généraux en moins. Allez, Jahangir. C'est un nom qui fait un peu indien, si je puis me permettre. Mais ils sont en train de me massacrer mes hommes en plus. Oh les salauds. D'accord, mais mes renforts se font buter sans même se battre. Non mais les gars, si vous faites technique à la Gandhi, on va pas s'en sortir, hein. Je préviens juste. Allez, vous faites vous tuer, comme ça les renforts arrivent. Et allez, un général supplémentaire. Allez, les renforts. Oh, mais ils me massacrent mes hommes, quoi. Cette blague. Et où le dernier survivant? C'est bon, on a le général qui est là-bas. Vous pouviez tuer leurs soldats là-bas, ça m'irait bien. Bon, on va dire qu'il y a eu un petit problème, qu'il y a eu une embuscade. Les livres d'histoire diront qu'il y avait une embuscade à ce moment-là. Oh bah tiens, ils tombent en déroute. Parfait. Ah bah il y a encore une unité qu'on va perdre. Pendant ce temps-là, on va flinguer un général. Ah non, fuyez pas, hein. Non. Ah non, là, on fuit pas du tout. Attends, il fait quoi, le général? Ouais, je crois qu'il y a un rôle de... Purée, c'est con qu'ils sont butés. Ah tiens, il va y avoir quelques soldats butés, là. Voir mes hommes se faire descendre aussi connement, je trouve que c'est... Je vais pas vous mentir, c'est méga humiliant. Oh bah tiens, le nuque, il est encerclé. Enfin, eunuque 2.0 encerclé qui se fait massacrer, c'est magnifique. C'est pas fair play, vous nous avez encerclé pour nous. On a perdu un quart de nos hommes, mais bon, c'est la dernière bataille. Oh, c'est si beau, il est mort. Il est dans le Mordor maintenant. Le Mordor de ses morts. Non. Bon, je crois que mes hommes ont un petit problème. Mais ils ont vraiment flingué. Yep. Oula! Ouh le bug! Oh, c'est parfait! Allez, on les bute! Allez! Alors là, c'est festin, les gars. Allez, vous me les butez tous! Oh là là, ce carnage! Oh, j'adore ce bug! Pendant ce temps-là, on a nos fondeurs qui éliminent les survivants. Oh, c'était beau! Oh, regardez, c'est stylé, ça! Un petit carré d'honneur autour du général ennemi qui est mort. Oh là, le bilan, il va être lourd. Là, ici, on va être salé pour les Perses, je pense, non? La décision est salée pour les Perses, 77%. Ah bah, tu m'étonnes qu'elle est salée. C'est plus de la salaison, ça, c'est de la mer, c'est la mer morte. On va maintenant casser les pieds à eux. Eh, ce bug, il fonctionne, c'est génial. Allez les gars! Oh bah non! C'était si drôle cette scène, les mecs qui arrivent dans le dos de l'ennemi et qui en mettent un petit bon coup de poignard dans le dos. Il y a eu un gros massacre là. 82%! Et regardez, mais mes hommes qui ont fait les gandhistes là, ils sont. Il y en a plus qu'un. Et il est content. Il est content, ce con. Il y a tous ses copains qui sont morts, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Nils. Pas grave. Bonjour! Oh, c'est parfait, ils arrivent pour se faire buter eux aussi. L'ennemi montre son vrai visage. Ce ah, vous êtes très sympa, vous, hein. Mais des lapins affolés qui détalent en tous sens. Oh, c'est magnifique. Magnifique, mais ce n'est pas la guerre, comme on dit. C'est quoi qui reste, là? J'ai pas des fondeurs. Trop loin, hélas. On ne pourra pas tous les tuer. Allez, butez-moi les 6, là.
Ok, très bien. Bon, eh bien, je pense qu'on peut stopper la bataille là-dessus. C'est une victoire héroïque, je m'étonne, victoire héroïque. Digne de la puissante armée grecque.